Et salut à tous! Coucou. Donc nous voici pour la suite du scénario de Jake. Donc nous en sommes au troisième chapitre, puisque nous sommes fait arrêter par Aida avec l'Ustagrave, je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà, on s'est fait chier pendant une demi-heure à essayer de l'esquiver, puis finalement, pour qu'il nous fonce dans la gueule. Tant pis. Donc on va voir ce que ça nous réserve, puisque apparemment on s'est fait capturer, donc comment est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Parce que logiquement, ce chapitre-là, on devrait se retrouver avec Léon et Elena pour combattre donc ce fameux Ustengrave, là, je sais pas trop comment. Ouais, donc c'est bien ça, on se retrouve en Chine apparemment. Et on est parti. Alors je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu via Facebook. Pour mon hospitalisation. Tu regardes pas hein, si elle est en sous-vêtements hein, la chérie. Tu regardes pas. Apparemment, je vais surtout jouer tout seul. Ouais. Bah oui, parce qu'il faut que je vienne te chercher, parce que moi je peux même pas travailler à main nue, toi non. Rien que ça. Et les autres, ils attendent pas. Ouais, c'est clair. Ok, défonce-les. C'est ça. Pas besoin d'armes pour tuer des ordures comme vous. Putain, ça a changé les trucs de synthé, ils ont changé, tiens. Ah, on est en Chine parce qu'il y a le truc qui est marqué en chinois. Tu vois pas, je suis en train de regarder la télé, j'écoutais la musique. Putain, je suis chier, hein. T'as des décolletés qu'ils lui ont mis à sa robe de chambre, lui. Donc ça tombe bien, il a une matraque, comme ça elle va pouvoir la récupérer. Si le monde n'est pas si bien fait que ça, alors... Une matraque électrique, hein, c'est pas du tout ton fa, hein. J'essaierai même pas de me battre si j'ai pas de flingue. Bye bye, horrible cellule de prison. C'était vraiment sympa. C'est vraiment des blancs immaculés tout ça, hein. Impressionnant. Hein. Cet hôpital de fou. Je savais qu'elle était. Et en plus les escaliers, les couloirs ils sont grands. Jake, tu es en vie. Ce qu'il enchaînerait presque, hein. Bon, il est un peu fatigué maintenant, hein, donc on va laisser se reposer un peu. Je vais me faire un cercle, moi je vais me faire un cercle.
franchement envie de mourir. Sa mère là, oh 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 les gars, on se connaît maintenant, ça suffit là. Ok, il y a un code à faire, ok, c'est pas ça, ok. Tiens, il y a du monde là, tiens. Tu veux pas me servir de ça là? Bah tu fais comme si tu visais pour une arme, tu vises et tu tapes. Simplement. Ça c'est là qu'en fait disait super bien dit qu'il fallait qu'il y ait un peu de discrétion. Je regarde en toute discrétion hein. Pas comment je peux faire hein. Ok. Bon. Ok, plus personne, merci. Repose-toi contre un mur déjà, tranquille. Voilà, tu vois que tu pouvais y aller en toute discrétion. Comme ça, t'aurais pu voir le mec écrire son mot de passe et t'aurais pu rentrer. Ah, d'accord, ça va. Non, mais maintenant que le mec t'a repéré, c'était un peu con. Mais ouais. Oui, après, moi j'ai poussé mon truc et après. Et hop, une gorge en moins. Eh, jamais écarté et tout. T'as vraiment signé comme une grosse cochonne. Allez, une mort, une. Si le Javo peut passer, moi aussi. Il faut juste voir comment ils font. Non, mais si t'évites de tracer et qu'on puisse faire les choses calmement. Tu vois, je te vois là. Donc vas-y calmement. Ah, parce que je peux tirer avec la caméra. Excellent. Ah. Fais gaffe, parce que le mec est juste là. Hein. Alors, qui tape quoi comme code? Tu te souviens toi du code? Ouais. Retourne te cacher, va. Non, mais quand je te le dis, c'est pas pour le fun, hein, c'est que retourne te cacher. Ah, je suis obligé d'attendre. Bah, c'est quoi le code? C'est sur le carré qu'il faut appuyer. Hein. Le premier d'en haut. Et les deux fois en bas, à droite. Voilà. Où tu vas? Regardez, s'il veut pas les trucs. Oh non, on s'en fout de savoir si c'est des emblèmes ou pas. Le premier en haut. Allez, dépêche. Je peux pas faire aussi, je peux pas faire vite si elle veut pas. Hein. Non mais c'est au moins voilà, le temps d'ouvrir, après tu pars ton carré 10, c'est pas grave. Allez, continue. Non, tu vois bien que la caméra était calée exactement comme il fallait. Comment elle perd de rien, elle, hein. Oh de Dieu.
Ah, coucou. Du coup, on a raté un emblème. On le fait comment pour le choper? T'as une arme à feu, toi? Non, moi non plus. Jake! Ah, c'est qu'il est pudique quand même. Il est gentil. Ah, c'est pas nos blouses qui lui ont mis sérieux quoi. Le truc est complètement. Même c'est pareil au niveau des hein. Les épaules et tout là. En Chine. Oui, je sais bien. Mais où? Pourquoi? Je sais pas et je m'en fous. Ouais, et le pudique, il la regarde bien, hein. Ah bah attends, hé! Mais là, j'en ai ma claque de jouer les cobayes. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Plein de choses. Ils ont dit qu'ils voulaient utiliser mes anticorps. Le fait qu'ils changent de vêtements. Renforcer le virus C. Oh non. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? T'as déjà entendu parler de Albert Wesker? Quoi? Ça veut dire oui. Je sais pas, j'entends rien, j'ai pas le son. Tu dis pas quoi? Beaucoup. Apparemment, il devait avoir des anticorps capables de combattre tout virus. À ce qui paraît, il... Ah, les chaussures pile poil à sa taille, évidemment. Hein. Comme les vêtements, on voit que ça lui suit parfaitement. Il a fini par se transformer. La petite écharpe qui va bien, évidemment, faut pas l'oublier. Moi qui pensais que mon cher père n'était qu'un lâche qui nous avait tous abandonnés, mais non, 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 rien à voir. C'était un taré qui a failli détruire le monde. Les actes de ton père n'ont absolument rien à voir avec toi. Ouais, mais son sang, si. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on est là. Non mais sérieux, tu crois vraiment que la folie ne se transmet pas par le sang? Que je n'ai absolument rien hérité des innombrables défauts de mon père? T'es bien placé pour savoir de quoi je parle. Je dis juste que... Mais la conversation hyper importante, quoi. Les choses que j'ai faites... Je crois que je comprends un peu mieux à présent. Quoi? Tu peux en vouloir à ton père autant que tu veux. Mais à un moment, il faut assumer la responsabilité de ses propres actes. Non, non, mais on va revenir en arrière, les gars. Pas avancer de suite, hein. Alors évidemment on a dû récupérer tout notre équipement. Je dois dire à mes supérieurs que je vais bien. Je dois trouver non, on peut pas revenir en arrière. Attends, on fait comment pour le choper cet emblème alors? Non, à fond. Bon, c'est pas grave. On sait qu'il y est. Peut-être qu'en fait avec la matraque tu peux y arriver, si t'aurais dû fracasser les mecs, je sais pas. Attention, il va se transformer, recule-toi, il va se transformer. Tu vois bien que s'il se transforme en chrysalide, c'est pas pour le fun quoi. Ah mais putain oh. Merde, c'est carré, dommage. Ouais, il est mort. Donc, comme je disais, on récupère tout, hein. Je sais pas, moi, je suis pas allé parce que je sais que du monde. Fais gaffe, il se transforme. Rôle le bras d'ailleurs, tiens. Ah ouais, mais toi t'es vraiment une foule furieuse, toi. Rien à foutre. Je sais qu'on peut sauter des trucs et tout. Attends, j'en profite, je vais pas faire le tour, attends. Va pas à la tête. Putain, y'a pas un emblème, y'a rien qui traîne là-dedans. Ma gueule ou quoi?
Une salle juste pour une petite caisse bidon? Ah t'as raison, cache-toi. Toi aussi, vas-y. Non mais je vois pas l'intérêt en fait. Bah y'a pas d'intérêt. Peut-être qu'on le trouvera plus tard l'intérêt d'aller se cacher. Attends, moi faut que j'aille voir l'autre côté là, je suis sûr qu'il y a moyen de... Enfin, je suis sûr. Essayer de voir que ça n'a pas vraiment moyen de revenir en arrière là, parce que ça craint sinon. Ah, voilà. Non, même pas. Ah, c'est bien celui-là que t'es venu, toi. Ça, ça fonctionne, celui-là aussi. Non, ma foi, il n'y a que le dernier qui veut pas, celui d'où t'es venu, ouais. C'est dommage. Peut-être qu'on va pouvoir revenir en arrière, hein, je ne sais pas. Non, peut-être qu'il faut le choper sur le moment, je sais pas. Bah, je pense plutôt. Ça n'arrête pas de se dire, je ne sais pas, ça sert à rien qu'on parle en fait. Fais regarder. Dans le manoir de résident d'un film là, Omega Jovovich. Je sais pas, j'aurais pas la merde dans le film. Tiens, j'ai plus de balles. Moi non plus. Comment ça se... Ah. On va faire l'amour? Non. Comment ça, non? À la tête, prends un doliprane. Donc on revient au début du couloir. Oh, finalement, viens, on va faire l'amour dans... Si on se frappe mutuellement, moyen. Mais par contre, si tu parles tout doucement comme ça, aussi, c'est tout ça qui va pas le faire. Oui, mais. Ouais, mais c'est pas que tu vas parler doucement. Bah, ça n'empêche pas qu'ils ont envie de. Si on commente les vidéos, c'est parce qu'ils ont envie d'entendre ce qu'on se raconte aussi, même si c'est que pour soi-même. Hein. Non, y'a pas d'intérêt. Hein. Et bah, heureusement qu'il est là, Bibi. Hein. Pourquoi lui il a le droit d'aller là-bas et pas nous? T'as bien de bugs toi? Si t'évites de foncer dans le tas tout seul, non? Hein? Non, c'est quand même plus marrant quand même, hein? Après tu parles avec tu perds.
Tu t'es arrêté de foncer dans le tas. Tu m'étais à couvert derrière la table. Des munitions aussi. Ouais. Sa mère. Ça fait bigger son gars. J'avais rien vu d'autre que trois bras où il me retenait. Trois médaillons pour l'Ouest. Et apparemment, il faut 10 médaillons pour se rendre à l'Est. Putain, je vise mal, hein. Bordel de merde, hein. Pourquoi tu vas au Magnum? Ça sert à rien, je l'avais presque fini, il lui reste deux coups de pied à lui donner, c'est terminé. Faut que tu me fasses. Pas doué. Bien, je me soignais. Des herbes, toi ? J'ai des herbes, trois armes vertes, ouais. Je les ai combinées. Ah ! Bah, quand tu veux, hein. Tu vois, t'as trois herbes vertes ? Joli ! Ouais, d'accord. Et après ? Paris. Oh, je sens qu'ils vont me faire chier celui-là. Il ne reste plus qu'à trouver les autres. Je comprends pourquoi Supergirl dit s'il a dit qu'il y avait des énigmes un peu. Des quoi ? Des énigmes. Ça va, j'ai compris des énigmes.
peu où tu étais obligé de passer une demi-heure pour la comprendre, le truc. Alors, t'en fais quoi pendant ces 6 derniers mois? Devine. Ils ont fait des recherches sur le virus que je porte. Putain, c'est plus le bordel là-haut. C'est un tout clair de lune, non? Si tu me couvrais au lieu de me regarder jouer. Parce qu'il y a encore du monde, hein. Voilà, on saura que Jake sait jouer du piano. Un petit German suplex, hop. Ah ouais, bien joué, parce que moi je passe à côté, tranquille. Tiens, on peut pas se baigner? C'est pas le but. C'est pas les Sims, hein, c'est Resident Evil. Je vais me baigner dans une piscine de bain, j'ai le droit. Dans une piscine de bain, d'accord. C'est quoi? Piscine? Non, parce que l'eau elle est pas rose, elle est pas. Repose-toi, plus petit gars. Putain, elle me rend fou cette bête là, à chaque fois qu'elle se barre de son cocon là, c'est pas où elle va. Là. Allez, bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend, elle monte? Allez, n'importe quoi ça. Sa mère. Reste de ton côté, moi je reste de mon côté. Quand t'as moyen de la taper, on la tape. Ouais, tu vois, pas besoin du magnum pour la tuer. Hein. On avait besoin du magnum dans la démo parce qu'on savait à rien, parce qu'on était bidon, mais... Bon, on a 9 médaillons. Quelle salle! Ça va être de la merde.
C'est de la merde, c'est que certainement t'as des salles qui va t'ouvrir, ça va être juste pour des emblèmes, d'autres pour les... pour les jetons. Voilà, allez, on peut se barrer, on va se faire chier. Hein. Y'a pas un emblème là caché là? Genre derrière la tête du Bouddha ou quoi? Apparemment non, je sais pas, moi ce qui me soit passé à côté de l'œil, mais. Parce que là, il rentre en même temps. Chris, il ne gaspille pas Sheva à aller en premier. Parce que dans Resident Evil 5, c'est Sheva qui va en premier. Il rentre en même temps. Ok. Et voilà. Tiens donc. Ils sont tous juste ici. Et si t'appelais ton patron? C'est moi, Sherry Birkin. Oui, il va bien. Nous étions détenus dans un labo en Chine. Vraiment? Et très bien. Je vous envoie nos coordonnées exactes. Ils sont déjà ici en Chine. C'est fini? On est sauvés. Alléluia. Je pense que c'est vraiment le chapitre déterminant pour l'histoire de Jake, pour comprendre un peu plus ce qui se passe. Et nous, on n'entend rien. Vite le camp d'ici. On reviendra après. Bah oui, mais bon, c'est dommage. Faut pas commenter sur le moment, quoi. Ouais, tic-tac. Allons-y, ces gars-là ne sont pas très avenants. Super, j'en avais marre de cet endroit. Oula, carrément. C'est pas vrai! Oh merde! Pas se barrer. Cours où? Ah, cours là-haut en fait. Non, en bas. Là-haut. Non, il me dit en bas la flèche. Ouais, il me dit en haut, il me dit monter les escaliers. Ouais, il me dit là. Allez, vas-y, hein. Faut que ouais, tu... mais tu viens de m'aider. Ah. C'est pour ça que toi, elle te dit en bas. C'était français, la gueule. On vient que je te montre. Pas du tout, il faut aller. Moi. Ah putain, il a un emblème juste en dessous de ça. Sa mère, mais putain, mais laisse-moi vider 2 secondes, s'il vous plaît, là, putain. Allez, ouais, c'est putain. C'est pas grave, on s'en fout. Si je meurs, au moins j'ai l'emblème. Je vais venir vers toi, je viens. Si je peux pas, tant pis. Je prends le soin pour soigner l'enculé de sa mère. Sérieux, il n'y avait pas moyen de passer, hein. Pas moyen, hein. Oui, on trace, c'est bon, on fait chier, quoi. Putain, on aurait pu esquiver la mort. J'ai couru 150 ans dans le rouge, j'ai couru. Super. À cette vitesse-là, parce que je peux pas aller plus vite. Hein. Pas toucher une seule fois, et là que... N'importe quoi, sérieux. C'est pas vrai. Oh merde.
volé, mais bien sûr, là tu m'arrêtes en plein vol, bon par hasard, allez, Ikea. Reste à la porte, j'arrive. J'ai pas vu qu'elle apporte un puzzle, mais qu'est-ce qu'il fait là? Je me tourne la vue et non? Et en fait, non. C'est pas grave. Carrément, quoi. Des zombies, pourtant ils sont pas de la race, c'est bien. Deux morts. Bah, moi aussi, hein, deux. Pour moi, l'une qui était importante c'était pour un emblème, c'est pas mal. Dès que tu parles un peu plus fort aussi. Oui. Écarte-toi de moi. Je sais pas, il me prend un truc. Eh ben oui, mais qu'il soit, soit toi, soit moi qu'on se prend l'oubli, qu'on se le prend pas tous les deux. C'est ça que tu comprends pas. Ça se prend des dégâts autant que ce soit réparti, quoi. Je m'en fous que ce soit moi qui me prenne les dégâts ou toi, c'est pas question de ça. Ah, il est là-bas. Non, même pas, c'est pas lui parce qu'il a pas d'arme à feu. Ah, mais con, hein! Je l'avais là! Donc on aura pas trop le temps en fait. Qu'est-ce que tu passes sous ces roues? Je regardais où était la flèche. On s'en fout, fuis le char! Va pas sous ces roues! Si la flèche t'indique d'aller sous ces roues, toi t'y vas, toi. Allez hop, on est fou! Un emblème, quoi. Putain, on a pas le choix en plus, on est obligé d'aller par là. Hein. Bon, éloigne-toi du mur. Allez, ça suffit maintenant! Moi. C'est pour moi, tu peux pas y aller. Comment je fais pour aller là-bas? Je pourrais basculer cette statue en trouvant le bon angle. Comment je fais pour la bouger la statue aussi? Ils sont malins eux. Tu vas m'emmerder toi aussi. Ça marche. Ah, avec le char là. Ma foi. Attention, il va te tirer dessus là. C'est bon, je l'ai tué. Range ton magnum. Ah,
Oui, si tu paniques comme ça, oui, tu crevais, ouais. Bah oui, mais si, fais bouger la statue, bah moi aussi, je sais rien, c'est moi qui dois la bouger, je sais rien, moi il faut la bouger. C'est pas comme viser. Surtout que je peux vraiment pas revenir en arrière. Pourquoi t'es reparti là-bas au fond? Parce que je voulais trouver une solution, je voulais et puis voilà. C'est normal que le chat vienne te viser à toi alors. Sans, on s'en fout, je veux dire. Et oui, mais je fais comment pour avancer si le chat te vise à toi et pas à moi? Donc reste où tu es. Ah non, mais je pensais qu'il nous avait remis en haut moi. Ah putain, il est tout chier. C'est toi le chat. Mais c'est même pas qui visait en fait. C'est toi ou c'est moi qui visait. Ça marche. J'ai réussi. Ça marche, mais il s'accroche pas. Ça y est, presque. Quelques coups. Et là, j'ai une artificielle à toi là. Ah, t'as du monde qui arrive. Encore une fois. Vas-y, au magnum, toi là, tu t'en fous! Merci pour le coup de main. Chérie, j'ai une moto! Tiens bon! Ok! Putain, je vais encore tirer dessus. Oh, et la moto, elle est où là? Oui, avec le slip course face à un char et dans l'eau aussi, dis donc qu'une moto ça tient le coup.
que ça fasse des crissements de pneus, bien sûr. Mais oui. Ça va, il dure pas bien longtemps, je sais plus de trop. Hein. Oh, 2 morts sur 4, putain. Niveau précis, le BR Commander. Savoir ce que c'est. Il est pas si compliqué que ça. Enfin voilà, donc c'était le chapitre 3, donc quand même plein d'action, hein. Plutôt sympathique quand même comme chapitre, ça change des autres où il faut mitrailler de partout, etc. Là on se retrouve vite dans la merde, vite encerclé. Faut savoir ce qu'il faut faire. Bon, on a un emblème sympa, mais on a trouvé un deuxième, et sur 4 ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait que la moitié. Donc voilà, j'espère que ça vous aura bien plu. Donc comme disent certains, on manque d'abonnés, on en mérite plus, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Donc surtout si ça vous plaît évidemment, hein. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook pour avoir plus d'actualités sur nous et sur les jeux et sur les films qui nous intéressent, etc. Et on va vous dire à la prochaine. Une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.